Добро пожаловать в мой канал. Montage photo représentant Estelle Mouzin au moment de sa disparition et un portrait de la fillette vieillie. TF1 L'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin va-t-elle être relancée? L'avocat du père de la fillette de 9 ans, disparu en 2003 en Seine-et-Marne, a demandé au juge chargé du dossier de sa disparition d'entendre et d'enquêter sur Nordal Lelandais, a-t-il indiqué ce jeudi à l'AFP, confirmant une information de BFM TV. Plus grand que à lire aussi fanfaron, adorable, ou manipulateur violent? Qui est Nordal Lelandais? Nous avons fait cette demande début septembre, après la disparition de la petite Maëlys, dont Nordal Lelandais est soupçonné d'être responsable. C'est une vérification normale, une démarche que l'on fait forcément quand il y a un enlèvement de petite fille, a expliqué M. Didier Seban. Je pense que ça va se faire, a-t-il ajouté. Nordal Lelandais se trouvait à 150 km du lieu de la disparition d'Estelle. L'avocat a précisé qu'en 2003, Nordal Lelandais, alors âgé de 19 ans, se trouvait au camp militaire de Suippes-Marne, à environ 150 km du lieu de la disparition d'Estelle Mouzin. Il faut notamment vérifier la téléphonie pour voir s'il était dans le coin à ce moment-là, a précisé M. Seban. Le 9 janvier 2003, la fillette avait disparu vers 18h sur le chemin entre son école et son domicile, à Guermantes. Dès les premiers jours, des recherches avaient été entreprises à l'aide notamment d'un hélicoptère et de plongeurs des sapeurs-pompiers qui avaient sondé les plans d'eau du secteur. Plus grand que à lire aussi comment les parents apprennent à vivre après la disparition d'un enfant. Après la petite Maëlys en Isère, Nordal Lelandais, un ancien maître chien de 34 ans, est désormais soupçonné d'avoir assassiné le caporal Arthur Noyer en Savoie, une accusation qui va conduire les enquêteurs à rouvrir les dossiers des disparitions non élucidées dans la région.